Yo PlayTryhard, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Modern Warfare et Warzone. Aujourd'hui on va se retrouver concernant la nouvelle mitrailleuse, la nouvelle arme qui est disponible sur Call of Duty Modern Warfare. L'arme est gratuite et disponible pour tous, il faut réaliser un défi. Il faut réaliser 7 kills au corps à corps dans une seule game. C'est-à-dire que tu fais une game, tu tues quelqu'un au corps à corps avec le coup de crosse, c'est reparti. Tu quittes, tu relances et ça, tu fais ça 7 fois. Enfin, moi j'ai dû le faire 5 fois parce qu'il semblerait que ce matin, il y a eu beaucoup de bugs et... dans ma chance, j'ai réussi à obtenir l'arme beaucoup plus rapidement. Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et surtout, n'hésite pas à défoncer cette barre de like. Voilà, ça fait grave plaisir, vous montrez votre présence, votre soutien par rapport à la chaîne, ça fait énormément développer. Donc merci à tous ceux qui le font, ça aide vraiment, 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 vraiment. Au niveau de la best class setup, on va faire toujours à peu près dans le même délire. Silencieux, monolithique, mais cette fois-ci au niveau des canons, il y a énormément de canons possibles. Il y a vraiment énormément, énormément, énormément de canons possibles. Mais le meilleur reste l'avant-dernier. Portée des dégâts, vitesse de balle, cadence de tir, contrôle du recul, visée accélérée et vitesse de déplacement moins. Mais, le contrôle du recul, il n'est pas si important que ça avec cette arme-là, étant donné qu'elle est vraiment ultra précise. Au niveau de l'accessoire de canon, je vais mettre justement la poignée avant de mercenaire pour compenser en fait ce fait-là. Ensuite, niveau des munitions, on va rester sur la dernière ceinture de 100 cartouches 5.56. Pourquoi je mets tout simplement le dernier et pas le premier? Parce que tout simplement sur le premier, vous avez juste la capacité de la ceinture de munitions et pas de visée accélérée. Tandis que justement... le contraire, visée accélérée, vitesse de déplacement supérieure et capacité de la ceinture de munitions. On perd un peu de vitesse de balle et un peu de portée des dégâts, mais c'est pas si important que ça étant donné qu'on a pris le meilleur canon et que le but c'est que ça soit vraiment ultra ultra utile. Et pour terminer, on va rester donc sur le bon vieux laser tactique pour la visée accélérée, la stabilité de visée et la stabilité de visée en marchant. C'est pas grave si le laser est visible par tous, ce n'est vraiment pas le plus important. Au niveau également d'un petit secret qu'il y a avec cette arme-là, vous pouvez la jouer comme si c'était un peu la Chainsaw de Call of Duty Ghost. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris lors de la dernière vidéo quand je présentais la nouvelle arme. En fait, il suffisait de mettre un accessoire pour que ça ressemble exactement à la Chainsaw de Call of Duty Ghost. Donc non, ce n'était pas du putaclic. En fait, d'avance, on savait que c'était cet SMG-là qui allait sortir. La FOV du capteur a été changée. Vous avez remarqué qu'en fait, le bras, il est beaucoup plus allongé. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus allongé. Parfait, deuxième kill. La FOV, en fait, c'est ta caméra. C'est la caméra que tu as. Petit. Reviens ici. Parfait. Parfait. Bien joué à toi. Putain, il y a un mec qui m'attaque par derrière. Ils sont deux. Ok. C'est
C'est génial d'avoir un bug PS4 en plein milieu, hein. C'est magnifique le freeze PS4. Il est magnifique le freeze. Regarde, hop là. Vous avez vu le freeze? Tout d'un coup, je me téléporte en un seul coup. Oh, génial, mais génial les freeze PS4. Ce vieux campeur des familles. Non, mais c'est pas qu'un campeur, je veux dire. Si j'ai pas ce coup de lag, il est mort. Hein. Je le sais, et je le sais. Bien joué. J'ai raté une ou deux balles là, par contre, c'était inadmissible. Bon, elle m'a l'air pas mal. Je suis pas sûr. Mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi cette arme? Mais t'es où? Non mais mec, c'est... Mais c'est quoi cette arme du chétan? C'est l'arme du chétan! Mais c'est n'importe quoi! Ah mec, il y en a certains qui ont spammé la bruenne. T'inquiète pas, moi j'ai spammé cette arme-là. Drone et puis... Oh, je le vois en plus. Je l'ai vu. Il est en train de se fight avec un de ses potes là. On le voit. Est-ce qu'à votre avis je peux toucher quelqu'un depuis ici? Est-ce qu'à votre avis c'est possible? Oh! Non mais c'est quoi cette arme? Bah, par contre frérot, je crois que t'essayes de voler mon kill. Mais c'est quoi cette arme du chétan? Mais c'est quoi cette arme du chétan? Ouais, bon là par contre... Mais c'est quoi cette arme? C'est vraiment humain? Y'a vraiment un être humain sur cette planète qui s'est dit que c'était normal l'arme? Y'a vraiment un être humain là, un mec de chez Activision, qui s'est dit... Bah t'inquiète frérot, tout va bien! Mais tout va bien! En vrai, de vrai, pour les long shots, elle bouge pas beaucoup, mais elle fait pas beaucoup de dégâts, contrairement à la bruenne, tu vois. Regarde, c'est vraiment, par contre, de loin, vraiment, vraiment, c'est... Ça bouge pas d'un... Tu serais pas en train de sortir un peu ta tête, toi? On va dire qu'à partir de cette distance-là, c'est ultra meurtrier. Vraiment, c'est ultra meurtrier. Par contre, tout ce qui est long shot, ça bouge pas, mais ça fait pas autant de dégâts. Qui sont complètement différents. La bruenne est complètement différente de celle-ci. Et vu comment j'ai créé ma classe, bah en fait j'ai créé ma classe pour avoir une très bonne cadence de tir et un recul incroyable avec la cadence de tir, sans que ça m'emmerde trop. Ouais, bon là par contre, oui, bon là j'ai pas d'excuses là. Là y a aucune excuse. Là y a pas d'excuse, là je peux pas défendre l'arme là. Là je suis désolé, là faut que tu m'aides là quand même hein. Là faut que tu m'aides là quand même le jeu, parce que je suis en sorte d'essayer de protéger ton jeu, je le défends, mais là là c'est un coup de laser là que je viens de mettre là. Je reconnais hein. Il y avait un qui était là-bas. Qui s'est barré. Ah, il y avait un... Oh, mais il y avait encore de la thune.
Bon, l'arme, elle fait aucun effort aussi, là. L'arme, non, là, je suis désolé, mais là, tu fais zéro effort, l'arme, quand même, voyons. Je veux bien te défendre, mais là, c'est plus possible de défendre quoi que ce soit, là, en fait. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vient de tuer, il y a ton voisin qui vient de tuer ta daronne et que tu essaies de défendre le voisin. Là, tu peux pas vraiment, en fait. C'est pas possible, là. Je peux rien défendre. Monsieur, vous faites des moves très bizarres, sachez-le. Vous êtes absolument pas logique dans vos déplacements. Ah ouais! Attends, t'as tenté le diable! Franchement, t'as tenté le diable, toi. C'était extrêmement culotté. Genre, c'était couillu. C'était très couillu comme tentative. Ok, il est pas de mon côté. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il tente là. Bien joué à toi. En vrai, t'avais de grosses coronesses, toi. T'avais de très très grosses coronesses. Ah, y'a Flav là, le monde là-bas. Je sais qu'il y a du monde là-bas, mais il y a beaucoup de monde là-bas aussi. Il n'y aurait pas une tyrolienne ici? Ah non, elle est de l'autre côté, la tyro. Ok, il est au top. Il est au top. Non mais, vas-y, monte! Oui, le capteur aussi a changé. What? Genre là, vraiment, sérieusement, t'es pas mort. Genre là, sérieusement. Sérieusement. Vraiment. Là, tu meurs. On va très vite se casser, aller ailleurs. Si possible, prendre de la hauteur. Mais t'étais où? T'étais encore en train de camper dans un buisson. Et voilà, tu campais dans un buisson. Non mais monsieur, c'est inadmissible. Monsieur, c'est inadmissible, voyons.